film égyptien Ayam Edine qui a surpris tout le monde. On a enchaîné avec le russe L'été. Je sais que vous avez beaucoup Sophie et moi aussi. Alors que Aishwarya Rai est en bas des marches. Aishwarya Rai. Je fais la faute tous les ans et pourtant elle est là. Depuis un bon moment, elle a même été membre du jury il y a quelques années. Oui, donc là, ce qu'on a déjà vu en compétition, je suis en train de refaire un petit peu la liste dans ma tête. Le film polonais, Cold War, Pavel Pavlikovski. Aidez-moi, s'il vous plaît, Sophie. Le livre d'images de Jean-Luc Godard. Le livre d'images de Jean-Luc Godard, bien entendu. Hier soir, le film de Jazz Anker. Les Éternels. Les Éternels. C'est terrible quand on se lance dans ce genre de liste, parce qu'on sait que, évidemment qu'on va oublier quelqu'un. Là, je et Balinoz, on l'a déjà dit en ouverture. Oui, on oubliait le film de Christophe Honoré, Pierre Aimé. Oui, bien sûr, le film de Christophe Honoré. 21 films. J'ai vu des gens avec des yeux très très rouges à la fin de la projection. Et donc 21 films en compétition, 3 femmes réalisatrices, enfin 3 réalisatrices. Eva Husson pour. Voilà, Hélène Mirren qui est quand même dame commandeur de l'Empire britannique. De l'ordre de l'Empire britannique, plus exactement. Alors que voilà, elle va être à notre micro dans un tout petit instant. Alors on va essayer d'aller à sa rencontre. Allez-y, Sophie. Voilà. Bonsoir, Hélène Mirren, un mot pour la télé du festival. Un mot pour la télévision du festival de Cannes. Bien sûr. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et Sophie, vous venez d'interviewer la reine, tout simplement. Mais moi, j'ai une admiration sans borne pour cette femme qui a commencé par un trait d'humour. Hein. On peut toujours compter sur les acteurs et les actrices britanniques pour nous servir des traits d'esprit d'une grande finesse. Et Hélène Mirren a la carrière incroyable. Femme forte s'il en est, même si on imagine que, comme elle le disait tout à l'heure, faire... Alors que je viens de dire à un monsieur qu'il n'avait pas le droit de prendre une photo pour pas qu'il se fasse embêter par... les charmants hôtes et hôtesses du festival qui font ça très très bien. Il n'y a aucun problème avec les selfies.